Bien. Alors, on commence comme ça, très fort. C'est quoi pour vous le changement climatique ? C'est un vaste sujet. C'est peut-être vous, la future SEC, super experte. Ah, si. Je vais connaître une anecdote pour illustrer votre question. Une anecdote. Il y a 3 ans, je me suis mis au covoiturage. Oh là là ! Moi, j'aime pas ça du tout. Vraiment pas du tout. Non. Moi, je préfère être tout seul, tranquille, peinard dans ma caisse. Attendez, laissez-moi finir. L'objectif doit être de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Sur quel secteur doit porter le gros, je dis bien le gros des efforts de diminution ? L'industrie ? C'est non. Le transport et le bâtiment ? Oui, Evelyne, réponse experte. Vous prenez la main. Bien sûr, hein. Vous l'avez aidé. Alors, bon, cela dit, vous n'avez pas tort, hein. Parce que moi, dans ma boîte, on s'est bien pris la tête avec nos salariés, avec tous mes collaborateurs, pour arriver à faire en sorte de rationaliser notre parc, nos déplacements. Et bien du coup, on y a gagné en temps, et puis surtout on y a gagné en termes de pépettes, et puis ben, le CO2 capote. Voilà. Je laisse la main, Gérard. Maintenant, le jeu, les questions, le qui tout double. Gérard, c'est à vous. Gérard, chef d'entreprise à Montpellier. Le public veut mieux vous connaître. Mieux connaître Papy Gou. Je dois dire qu'au départ, toutes ces choses, ça me faisait un petit peu peur. La peur. Ben oui, c'est le fait d'avoir des circuits courts d'approvisionnement, les certifications bio, et bien également tout ce qui est saisonnalité. Et à un moment donné, au tout début, ben, j'ai bien failli abandonner. Et j'ai même failli appeler mon coach carbone. Coach carbone ? Et puis, le coach carbone. Petit à petit, je me suis pris au jeu. Et en fait, c'est devenu vraiment pour moi un jeu de faire plus avec moins d'essence. Vous pouvez pas parler moins fort là, s'il vous plaît, j'arrive pas à lire là. Cet objectif, Evelyne, a été inscrit dans la loi française en juillet 2012. Quitte ou double ? Allez, double. Bien. Peut-être pour passer devant Gérard. Encore une fois, vous insistez là. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des choix et des comportements individuels représentent combien en pourcentage du total des émissions de gaz à effet de serre? 50%. C'est oui, Evelyne, vous prenez la tête. Le GJCC, on a tous à y gagner. A tout de suite. Moi, c'est mon moment favori, hein. L'environnement, c'est fondamental. Vous ne réalisez pas le problème, l'ampleur du problème. Eh bien si, on réalise, complètement réalise l'ampleur du problème. Et c'est bien à un moment donné ce qui peut faire peur. Et à un moment donné, cette peur, ça permet de se rendre compte et puis d'avoir cette prise de conscience que ces problèmes d'eau, ils sont peut-être réellement planétaires et qu'on nous en y faire quelque chose. Le plan climat énergie territoire. Mais c'est exactement ce que j'allais dire si on ne m'avait pas coupé. Ça suffit. Le plan climat énergie territoire. Evelyne, bonne réponse. Vous vous rapprochez du titre de SEC, super expert du changement climatique. Le plan climat énergie territoire, je vise à mettre en œuvre les 2 objectifs suivants. L'atténuation et l'adaptation. Moi aussi, j'ai préparé mon petit papier. Hein ? Nous sommes tous responsables. Alors il faut arrêter avec la critique et le je m'en foutisme. Ne perdons pas nos énergies à dénoncer. Gardons-les pour agir et changer notre vision du monde dans lequel nous voulons vivre. Soyons responsables et unissons-nous. Je vais essayer de changer et je vais y arriver. Merci. Soyons dans le concret. Et d'ailleurs, c'est ce que nous vous proposons, de vous réunir en atelier, de réfléchir directement sur ces problèmes climatiques, sur ces problèmes de gaz à effet de serre. Donc, nous vous invitons aussi à rejoindre ces ateliers pour porter cette réflexion, car nous avons tous réellement besoin de réfléchir à tout cela. Parce que nous sommes tous concernés. Et qu'on ne peut pas s'en intéresser, bien entendu. Merci.